Bonjour YouTube, c'est parti pour la la partie Barry et Natalia, voilà, de Resident Evil Révélation 2. Merci beaucoup Crolax pour le sub, merci à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci pour le soutien. Et bienvenue dans le New Way encore. Qu'elle veut. J'ai trouvé des pièces dans la poche, merci beaucoup. Alex. Alex Wesker. Ça peut pas être la même femme. Où est Moira? Qu'as-tu fait d'elle? Je l'ai enterrée avec le reste des autres sous la montagne de la peur et du désespoir. Ouais, elle a fait trop d'expérience, elle est devenue complètement folle. Hein. Tu l'as tuée. Mal, hein. Ah. Ah non, c'est bon, ils s'en sont sortis, tout va bien. Allez, continue. Non, je vais devoir la porter. C'était évident. Allez, viens sur mon dos. La gamine, je la sens pas finalement. Ouais, je suis d'accord, Crolax, sur ce point. Je suis vraiment d'accord. Allez, hein, bah comme ça on a un boulet sur le dos maintenant. C'était Alex Wesker. Elle est responsable de l'expérience d'il y a 6 mois. Il l'appelle la Sentinelle. La Sentinelle, ok. Elle m'a déjà pris, Moira. Et maintenant, jeune... Putain de merde, pourquoi elle a fait ça? Désolé. Je suis sûr qu'il a... Oh, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Salut, Wild. Au fait, Wild, on allait renaître. Depuis hier que tu m'avais host... quand j'ai ouvert mon stream là, c'était fermé hier. Pourquoi elle a besoin de mon bébé? Merci beaucoup. Et salut Chicat. Non, je joue désolée. Sur souris, la vieille souris. Comment allez-vous, oh, les arrivants? Puce, excuse-moi. C'est mon problème, pas le tien. Repose-toi. Ah, mais c'est très gentil, merci à toi, Will. C'est vraiment très très gentil. Y a un truc là. Marie, ça va? Oui. Oui. Je me remémorais simplement les moments où on se promenait comme ça avec Moira et Polly. Polly, ça devait être sa vous femme. Vous entendiez bien? On essayait. Moira et moi, on se disputait souvent. Même lorsqu'elle est devenue plus grande. Parce qu'elle disait toujours des gros mots? Non. Elle faisait ça pour m'embêter. C'est moi qui ai tout gâché. J'étais loin d'être le père idéal. Elle jouait avec Polly dans la maison. J'ai oublié de ranger mes armes à feu. Et Moira... Polly a eu un accident. Oh non! C'était la faute de Moira? Oh non. Non.
C'était la mienne. Elle a tué Polly. Je suis pour Moira, elle a tué Polly. J'ai assumé ce que j'ai fait. Dieu merci, Polly s'en est sortie. Ah non, c'est bon. Ok. Ni Moira. On s'est éloignés l'un de l'autre. Je pense qu'elle t'aime toujours. En plus, elle sent pas la petite. Hein. Ça me réconforte que tu dises ça. Je peux te dire une chose. Il y a un truc là-bas, je vais aller le chercher. Comme je ça, plus de temps lent. Mais je te sauverai. Je te le promets, on partira de cette île. Je sais. Mais c'est très gentil, Will, merci à toi. Tu vas devenir fluorescente, mais non! Ça va aller, je peux marcher maintenant. Ah, là, bon, bah, je peux pas. D'accord, partenaire. Allez, en route. Ah. Bah, il était temps que tu te... Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu dans notre inventaire? Regardons. On a ses munitions, on peut pas les donner. Si on lui donne, voilà, et là, on lui redonne, hop. Ça, on donne ici. On a de la poudre à fumer avec une bouteille vide. Et ben, on a qu'à combiner ici. Un explosif qui peut être utilisé, ok. On a beaucoup de soins. On va lui donner à elle. Comme ça. Ça, on va lui donner. Et on n'a pas d'autres bouteilles, mais on a énormément de soins. Bon. Allez, let's go. C'était mignon, ce moment où ils ont discuté ensemble et tout. J'avais trop l'impression de... De voir The Last of Us, quoi. Il y a un truc là-bas. c'est peut-être à lui de le faire, non? Mais attendez, là c'est pas le coin où on est passé avec Moira et tout. Si, hein. Comment on va pouvoir remonter à la surface? Bah par là. Voilà. Ah non, mais ça non plus, faut pas utiliser ces... Oh! Ewin! Utilise ton Samurai Edge! Quelqu'un a tiré le bouchon... Ouais, non, mais c'est ça... Non, non, mais en vrai, on est 6 mois plus tard! Faut pas faire ça, hein. On n'est pas en sûreté, ici. Non, on n'est pas en sûreté, hein. Ça va? Merci, Youpi, pour le follow, bienvenue à toi. Oui, et toi? Qu'elle a dit quoi? Je suis désolée, toxique, j'ai pas du tout eu peur. Mais alors vraiment. Je suis désolée, toxique, merci pour les 200 chances, mais j'ai pas eu peur. Sorry, je suis sûre que tu m'en veux maintenant. Bonjour, ouais, mais c'est un peu raté. Non! Pardon. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, dépêche-toi. Oh, il y a une putain d'arme là. Oh, oh là là, vous avez vu? Ça, c'est une AK, non? C'est une AK. Hein. Il y a une AK là. Oh là là, quel régal! Je sais, mais j'avais. Mais c'est gentil beaucoup. C'est gentil beaucoup. C'est, mais merci beaucoup pour les 200 chances quand même, hein! Malgré tout! Ok, ça en récupère. Du coup, bonne lurk à toi, Toxic, si tu pars en lurk. Bye bye, des bisous. Bon! Oh là là, j'avais oublié qu'il y avait les ennemis invisibles avec lui. Et mais du coup, le vieux monsieur, vous pensez qu'il est toujours là? Ah. Bah, le vieux monsieur, malheureusement, est mort, hein. Il est mort! Il est mort? Bah oui. Oui. Laissons-le. Pauvre. Il est mort tout seul. Oh, c'est lui qui l'a voulu, hein.
Attends. T'as eu ta réponse, ouais. C'est à Moira. Maman, Polly, c'est moi. Je crois que c'est la fin. Elle a même pas dit un mot pour Barry. Je voulais vous dire combien je vous aimais. Et Barry, papa, je suis désolée, j'étais vraiment une mauvaise fille. Ce n'est pas ta faute. Barry. Comme le shield RPZ. Oh non, mais c'est triste parce que du coup, ça veut dire qu'elle est vraiment morte. Allons-y. Parce que pour le moment, j'y crois pas, mais... En vrai, à... Je vais détruire son île. À tout moment, elle est vraiment morte, quoi, la nana. Dégâts niveau 2, confusion niveau 1. On va mettre les dégâts sur le magnum et la confusion sur ça. Quoique, on va enlever, on va mettre la confusion sur le pistolet. C'est mieux. Qu'elle lui a fait. Tire sur le vioc, non. Je peux user une... Je vais pas utiliser une munition pour rien. Petite anecdote sur les bestioles que tu vois, ce sont des zombie-pigs. Des zombie-piges, rendus terrifiants parce que c'est dans le... Parce que dans un film Harry Potter, ils sont représentés comme extrêmement venimeux et dangereux. La réalité, c'est que ce sont des animaux parfaitement inoffensifs et incapables de blesser qui que ce soit. Mais souvent montrés comme des créatures dangereuses depuis le film. Ah d'accord, ok, je savais pas du tout Wild. Et coucou Wardiap, ça va? Merci à toi, comment vas-tu? Alors, journal du vieil homme dans les égouts. Je dois travailler français. Alors j'écris dans le journal tous les jours. J'écris tous les jours, mais pas de mots maintenant, j'ai bonne raison. Aujourd'hui, j'accueille premier enfant au monde. Sa mère a choisi d'appeler bébé Irina. C'était prénom de ma grand-mère. Je suis pas d'accord, mais impossible de gagner face à cette femme têtue. Elle a les yeux et le nez de son père, mais bouche de sa mère. Nous allons élever bébé pour qu'elle soit forte et en pleine santé. Cette année, il a le moral. Secteur minier se porte bien, vie est plutôt belle pour moi actuellement. Je veux qu'Irina ressente même chose lorsqu'elle sera plus grande. C'est ma responsabilité en tant que parent. Irina a déjà 6 ans. Le temps passe très vite. Elle adore imiter sa mère déteste ça, probablement parce que son imitation est parfaite. C'est 6 ans plus tard. On est sur du 6 ans plus tard. Petite Krochka est très intelligente, elle aime les maths. Elle aime maths comme sa grand-mère. Sourire d'Irina a aidé à oublier souci. Mines sont devenues dangereuses et ne sont plus rentables. Situation de l'île, de pire en pire encore, pardon. Je risque de perdre mon travail aussi, mais ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Il est notre foyer. Je veux la garder en bon état pour petite Krochka. C'est ma responsabilité en tant que parent. Irina a 12 ans maintenant. Déjà rebelle, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Je ne comprends pas femme. Maintenant, je lui fais honte. À moins qu'elle ait besoin d'argent ou d'un service. En parlant de femme et d'argent, une certaine femme vient sur notre île. Elle promet de relancer l'industrie. J'ai un travail maintenant pour aider à construire une nouvelle installation dans Mine. Je pensais que Mine était finie, mais elle a trouvé une autre utilisation. Tout le monde l'adore, on l'appelle sauveuse, notre bienfaitrice. Ma mère disait toujours de ne pas faire confiance aux riches. Pauvre ouvrier est plus digne de confiance que riche capitaliste. Bon conseil, mes femmes riches nous aident. Irina a 20 ans, aujourd'hui. Je devrais faire fête, mais je m'inquiète. Semaine prochaine, elle part travailler dans Mine. J'étais contre, mais Krochka refuse de m'écouter. Elle ne m'écoute plus depuis des années. Pourquoi commencer maintenant? Irina est têtue. Tout comme son père, comme elle disait toujours, je suppose qu'elle avait raison. Un an déjà depuis que tu es partie, ma chérie. Je ne fais pas confiance aux gens de cette installation. Quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Mais tout le monde me voit comme un vieil homme borné. Peut-être qu'Irina aussi maintenant. Mais je sais que j'ai raison. J'espère juste qu'Irina s'en apercevra bientôt. Je n'ai pas vu Irina depuis près d'un an. Quelque chose de terrible se passe ici. Jean tombe malade. Autre chose inexplicable. Tout ça à cause de femme. Je le sais. Elle est diabolique. Ça devrait être une maison d'Irina. Mais trop tard maintenant. Je quitte cette ville. Tout. Mon île est ma maison. Je ne partirai pas. Nulle part où aller. Je vais donc dans les égouts. Je reste là. Situation va empirer, je le sens. Irina, fais attention à toi. Je te retrouverai. Je te promets, Krochka. Tu es tout ce qui reste à ton père. Ça va, Nana? Bah moi, je suis bien contente qu'il fasse pas 29 degrés, là, d'accord? Parce que je meurs de chaud. Hop. Ok, donc voilà l'histoire du monsieur, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà.
Une bouteille. Ah, on a une bouteille. Ok, on a une bouteille. Ça, c'est... Alors ça, c'est pour... J'ai fait un fumigène, mais c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Mais bon. On va s'en faire un autre. Je vais lui donner, ça fait de la place. Bonjour Tati Cho, oui ça va, c'est très gentil, merci beaucoup, bon courage pour le boulot Tati Cho, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ah, clé des égouts. Clé des égouts. Ah, clé des égouts ici. Ah bon bah toi pas prendre clé égout. On doit sortir d'ici. Y'a un truc là. Reste près de moi, d'accord. Ruby. Oui. Oui, oui, oui. Et bonjour Jade, comment vas-tu? Allez, on y va. Rien que la lecture, ça nous a pris 15 minutes, quoi. Beaucoup de lecture hein, dans ce chapitre. Hello, Ijuri. Hello, hello, les arrivants. Comment allez-vous? Bon, la gamine, je la sens pas, mais en même temps, je me dis que... Je sais pas. Oh, peut-être que cette gamine, c'est la fille de Kroshka. Il y a quelque chose. Sois prudent. Regardons. Je pense qu'il va pas falloir faire de bruit. Ah, coucou. Le goût pour le fusti. Le goût pour le fusti, c'est le goût basique nature pêche. Voilà. Sans issue. Si jamais. On dirait qu'on peut ouvrir la vanne depuis là-haut. Ouais. Y'a un truc là. Comment on va faire? Il va peut-être me faire monter par là-bas. En vrai. À la pêche, y'a rien de tel. Voilà, c'est exactement ça. Excusez-moi, monsieur, de ne pas vous avoir dit le goût pour le fusti. Oh mince Jade, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Natalia, après... peux-tu ouvrir la vanne de ton côté? Oui. D'accord, tiens bon. Après, tu nous avais dit qu'il souffrait beaucoup, donc dis-toi qu'il est dans un monde meilleur maintenant et que bah tu peux toujours penser à lui et voilà. J'espère que ça va aller en tout cas. Je suis nulle pour ce genre de discours. Hein. Je suis désolée, mais. Envoyez des cœurs pour Jade. Ouais, au moins il souffre plus, Jade. Dis-toi ça. Bien joué, Natalia. Continue. Il faut que j'aille là-bas, à mon avis. Viens avec moi. Je suis un peu occupé. T'es un peu occupé de rien du tout! T'es tendu! Ouais, il y a le machin ici. Comment on va faire? Comment on va faire sans que je me fasse repérer? Ça va être autre chose aussi, hein. Bon, on va essayer d'ouvrir. J'espère qu'il va pas attaquer Natalia. C'est bon? Voilà, c'est très très bien. Natalia, essaie de voir si tu peux l'ouvrir. Oui, oui, deux secondes, tu vois pas que je viens de me faire attaquer? Dis donc. Méchant, va. Bon, il y a plein de zombies derrière, hein. On est foutu, hein. Recommence pas du début, mais le spam de la touche. À boire du coca en attendant. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, à partir de mercredi, on rattrape les pompes, les burpees, les squats qu'il faut que je fasse par rapport au donation goal de l'événement bancaire. Voilà. Si jamais il y en a qui avaient oublié, bah sachez que moi je m'en souviens.
Voilà. Voilà. Des bisous, monsieur. En gros, cette semaine, c'est la fin de ma vie. C'est à peu près ça. Hein. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je vais mourir de fatigue, de tout ce que vous voulez. Ah, ça, on peut. Du coup, je peux prendre des munitions. Yes, fusil d'assaut. Comme si on allait oublier ça. Ben, je me doute que vous n'allez pas oublier. D'ailleurs, si jamais... Nana, si tu peux essayer de noter... Point d'exclamation, draw new, D-R-A-W, espace, new, new quoi. Enfin, new. Nouveau, en anglais. Pour voir si ça fonctionne ou pas pour toi. Ou si ça fonctionne que pour une méo. Hop. Allez, le tirage au sort est lancé, point d'exclamation KDO. Voilà. Pour ceux qui voudront gagner, je fais encore gagner 5 jeux aujourd'hui parce que je rappelle qu'il nous en reste. Truc sur mon chemin. Merci. De rien. Natalia, la vanne. Oui, oui. Compris. Il va pas se réveiller, il va pas se réveiller. Il va pas se réveiller du tout. C'est parfait, comme ça j'ai pas besoin de me couper pour le noter, c'est cool. Donc point d'exclamation KDO pour ceux qui veulent gagner une clé de jeu, j'en fais gagner 5 encore aujourd'hui. Il m'en restera une vingtaine encore à faire gagner pour les prochains jours. Il peut passer. Oh, là-bas, il y en a masse. Et en plus, il y en a qui sont réveillés. Regardez le monsieur, il est réveillé. Il y a un chien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais n'importe quoi, c'est... Mais c'est un fumigène, Tywin. Oh. C'est bon? Ok. Ok, ok. Jusque là, ça va se dire, il y en a plein d'autres là-bas. C'est bon? Ok. Parfait. Normalement, je peux faire ça. Ok, pff, cette chance. Oh là là, la chance! Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est ça. On y va doucement, mais sûrement. Bonsoir, Chandery, comment vas-tu? Oui, c'est vrai, Nana peut pas faire de sport, mais Dark Diablo, on est d'accord, tu viens avec nous, pour faire du sport. On est d'accord, hein. Évidemment, hein, c'est... Ok. Je vais m'avancer, mais là, je peux pas passer, pourquoi? Pourquoi je peux pas passer si là? Merde! Voilà, c'est bon, il est mort. Ok, bon, écoutez, on va courir. Il y a quoi ici? Il est. C'est un peu long pour rien, je trouve, cet endroit. Je sais pas hein, mais je trouve que c'est un peu long pour rien. C'est pas un bon jeu vidéo, je vois pas pourquoi vous êtes aussi peu motivé pour en se faire. Mais en plus c'est trop bien sport hein.
J'adorais le concept à l'époque. Mais il y avait un autre jeu du même type que Spore qui était pas vraiment Spore. Et j'avais kiffé aussi. Et je l'ai, c'est... Mais j'ai plus le titre. En fait, je l'avais en jeu DS, faudrait que je le retrouve. Faudrait que je le retrouve. Je sais pas du tout où je vais. Ok, il y a un truc ici. On va se mettre là. Allez, tu peux le faire. Sois prudent. Voilà, il va pas se réveiller. C'est quoi le jeu Barry, tire sur ce truc sur mon chemin. C'est quoi le jeu que tu parles, Crolax? Natalia, la femme. Oh là là, on a eu chaud. Ok, j'ai cherché le titre, vas-y, vas-y. Mais il y avait un autre jeu comme ça où t'étais dans la galaxie, t'avais des zones avec des monstres spéciaux et tout. Alors c'était pas exactement comme Spore, mais c'était le même concept de monstres spéciaux et tout, et tu devais battre les ennemis qui essayaient de détruire les planètes et tout. Compris. Je sais plus exactement ce que c'est. Faudrait que je le retrouve, c'était sur ma DS quoi. Ok. Ok, là je peux bouger. On va avancer avec Barry, mais vraiment je trouve que... M'aider. Allez, Natalia, c'est le moment. Spectrobe, oui. Merci, tonton. Merci, Spectrobe. Oh, c'était trop bien. Voilà, j'avais kiffé, Spectrobe. Oh, t'es un génie, tonton. T'es trop un génie. Ok, c'est pas par là, c'est par là. Je sais pas si les gens ont joué à Spectrobe ou pas, les gars, mais ce jeu était trop bien. Voilà. SHKN, je sais pas du tout ce que c'est du coup SHKN. Ouais, je sais, ouais. Hein, attention. Jamais entendu parler, je te jure, tu regardes l'image sur internet de à quoi ressemble la boîte, tu vas l'avoir déjà vu. Ok, c'est là-bas. Eh ben, ce grand passage qui a duré beaucoup trop de temps, vite. Ok, c'est bon. Ok, on y va. Docteur Orr, c'est qui Docteur Orr? Je connais pas du tout. Moi, Spectrum, je suis sûre que vous connaissez. C'est juste que vous connaissez pas le nom, mais vous voyez l'image. Toujours entière? Ouais, toujours entière. Allez, let's go, on y va. Hein. On veut de l'action, là. C'est vrai que c'est plus de l'infiltration, le gameplay, avec... Natalia et Barry. Mais bon, ça va le faire. Natalia, viens. Bon bah reste bizarre là-bas là. Sois possédé, hein. Hop, cassons cette chose. Je sais que j'ai raté un coffre. Il y avait un coffre que seule Natalia pouvait ouvrir, mais c'est pas grave en vrai. Tant pis. On va monter par là. Barry, quelque chose ici. Le monstre revient vers nous. Moi, je peux pas les tirer dessus.
Faut que je sois si près que ça pour lui tirer dessus, mais c'est une blague. C'est vrai? Oh, mais en vrai, il était trop bien ce jeu, j'avais kiffé et j'avais jamais fini. Bah, comme la plupart de mes jeux quand j'étais gamine, vu que j'étais trop nulle. Mais c'est trop des jeux que j'adore. Allez, on y va! Bon, je crois que tant pis, je récupérerai pas le... l'AK, hein. Bien, on est dehors. Maintenant, il faut retrouver la trace de Wesker. Ouais, enfin, on est dehors. Je te rappelle qu'il y a des machins bizarres qui sont dehors, hein. Pour chasser Alex. Tu sais, okay. T'as pas besoin de venir avec moi pour ça. Je reste avec toi. Je veux connaître la vérité. Quelle vérité ? Oh là là, mais regardez-moi ça, ça là ! Ça devait être une espèce de mine il y a très très longtemps. Oh les gars, ça pue, hein. Ça sent genre vraiment pas bon. Barry, je me rappelle quelque chose. Je crois que cette femme était en bas quelque part. D'accord. Allons voir en bas et cherchons un chemin. Là, il y a un monsieur, il est mort. Merci Lynn. Merci beaucoup pour le host, comment vas-tu? Cette dépôt va payer pour merci tout ce qu'elle a fait à Moira. T'étais en live, Lynn. Je ne quitterai pas cette île tant qu'elle sera en vie. Comment vas-tu? Comment s'est passé ton live? Et coucou 5, comment vas-tu? Les gars, je sais pas où je dois aller. Voilà. Réfléchis. Voilà. Voilà. Ici, en fait. Ouais, c'est sur Frostpunk, ok, ok. J'espère que tu t'es éclaté. C'est le jeu qui est gratuit avec Epic Games, là, hein. On est d'accord. Et merci beaucoup pour toi, c'est très gentil de penser à moi. Choc, choc, choc. Ouais. Oh non, mais on va se faire attaquer dans tous les sens, ça c'est sûr. Non mais c'est évident, c'est trop grand. C'est trop grand pour qu'on fouille tout. Voilà, regardez, on prend la carte. Voilà, c'est immense. D'accord, immense, hein. Est-ce qu'on a des choses? On n'a rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc bizarre, non? Moi, je peux pas enlever. Ok, bon, on regarde. Hein. Ça va, merci. Où est-ce que tu te caches maintenant? À part qu'ils sont tous mourus, c'est-à-dire qu'ils sont tous mourus. Je connais pas du tout le concept du jeu, Frostpunk. J'ai juste récupéré parce qu'il était gratuit. Voilà, je récupère tous les jeux gratuits, tu vois. Mais sinon, je... Ok, il y en a un là. C'est tout? Ok. Attendez. Voilà. Ça c'est good. Ça on peut pas. Oh là là, ça m'a l'air compliqué, hein. Fermez de l'autre côté. Super! Oh, si ce truc se met à me courir dessus, je vais hurler. Ok. Oh, mais c'est toi qui fais ce boucan! Mais regardez, mais comment je suis censée savoir où je suis censée aller? Il y a tellement de chemins. Bah, pas par là en tout cas, voilà, c'est bloqué. Ok. Oh là, il y a une herbe verte. Oh, je cet prends tellement. Cet ascenseur est le seul moyen de monter. Voilà. Du coup, ça. On dirait qu'on a totalement retiré la source d'énergie. Ouais. Faudra trouver autre chose pour faire fonctionner ce machin. Oui, bah oui, voilà. Là-bas, il y a un monstre. Je l'ai vu. Mais non, il n'y a pas de monstre. J'ai rêvé. Alors, je vais me mettre là. On va changer. On va aller ici. Ça a l'air tellement... Mais genre... Je vous jure, cet épisode, je trouve qu'il est... Il est...
Il est long, hein. Je vois pas d'ennemis. Ok, super, donc je peux rien faire. Genre, je sais pas, t'as l'impression qu'ils ont rajouté cet épisode pour faire dire, bon bah voilà, regardez, il y a du temps de jeu. Qu'est-ce que c'est ? C'était quoi ? Je sais pas. Me demande pas, je sais pas. Ouais, c'est assez vide, tu vois ? C'est... Bon, c'est dommage. Ah, c'est le machin qui est ici. Bon sang, quel bordel! On doit pouvoir utiliser ce générateur. Quoi? Attends, quoi? Attends. Quelqu'un comprend? Moi je comprends pas. Yo no comprendo. Salut, salut, Kayo. Comment ça tu peux pas voir le live, Kayo? Qu'est-ce qui se passe? T'aurais pas le même problème que Nana tout à l'heure? Et coucou Rideau, comment vas-tu? Coucou les arrivants. Oh les gars, c'est long. Ok, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un... Si, 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 je vais devoir faire ça. Je pense que je vais devoir faire ça, je vais prendre ça. On va tester quelque chose, hein. Tagaz, merci, bah nickel. Ouais... Opera GX et VPN, il y a un VPN gratuit avec Opera GX. Bah non, je peux pas. Bah non, mais je comprends pas. Ça ne marche pas non plus. Comment ça, ça marche pas? Est-ce que elle peut y aller là? Non, on peut pas y aller. Je suis censée faire quoi? De quoi? Mais arrête, mais moi je supporte pas le froid, tonton, y'a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, teste, Kayo, ce sera mieux, je pense. Moi personnellement j'ai plus de soucis depuis que je suis sur GTA. GTA Opera, pardon. Bon. Là, là, il y a quelque chose à faire, je pense. Bon, ça on va le laisser là, ok? On a qu'à le laisser là, on a qu'à remonter par là, voilà, hop, 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 on remonte, hein. Tac. Oh quel régal. Ah là là, quel régal. Je sais pas du tout voir diable. C'est vrai, s'il fait plus de 15, tu commences à souffrir. Non mais c'est trop là, c'est de l'abus. Allez, viens par là. Bon, il veut pas. Je pense qu'on va essayer de tuer les bestioles là. J'ai eu si peur. Ok, viens par là. Est-ce que à tout hasard... Est-ce que à tout hasard, d'accord, on va tester les choses. Je comprends rien là, cette phase. Tu peux pas l'activer? Bah non, tu peux pas l'activer. Tu sers à quoi, meuf?
sert à rien. Elle sert à rien. Et bonsoir, Ulbeo. Merci pour le fusti. Si quelqu'un sait ce que je dois faire exactement, en vrai, je prends. Ok, là, il y a un truc comme ça. Récupère. Ok. Tac. Ça, on récupère. Non, mais ok, il n'y a rien, en fait. Genre, cette zone, elle sert à rien. Ok. Alors... on va courir, hein. Ah! Bon, là, on va se faire attaquer, hein. Je le call comme ça. Je pense qu'on va fortement se faire attaquer. Ok, et donc là, peut-être que ça a activé les... ce que je voulais que ça active. On va voir. Oui! Ça a activé les rouleaux. C'est sûrement l'interrupteur qui commande le tapis roulant. Non mais attends, pardon. Pardon. Pardon, le jeu. Le jeu me troll. Tout ça pour qu'on aille se faire attaquer par la bestiole qui est là-dedans. Vraiment. C'est terrible, hein. Je l'avais posé là-dessus, hein. Fais pas genre, hein. Fais pas genre. Je le sais, hein. Bon, on va se faire attaquer. On va se faire attaquer, je le savais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être notre boss à nous, hein. Je pense qu'on va le revoir à la fin de cet épisode et qu'on va devoir se battre contre lui. Bébé ? Quoi ? Oh non, je peux plus sortir. Ah oui, je peux sortir par là. Ok, heureusement, hein, dis donc. Ils ont tout prévu. Bon, bah ça, je peux pas. Je vais me briser le dos en deux si j'essaie de traîner ce machin jusqu'à l'ascenseur. Allez. Attendez, ouais, des sacrés pustules, hein. C'est pas d'ennui, ce n'est pas une vraie formation. Non, arrête, il y a des formations. Moi, personnellement, je me suis pas ennuyée, hein. Et tu sais, les formations pour le BAFA et tout, pour la gym, tu t'ennuies pas forcément. Alors, hop. Voilà, c'est très très bien. On va quand même aller retester si elle peut tirer le... si elle peut tirer le... le levier, là. J'ai 40 minutes, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé dans le jeu, là. Cette partie est... non, bah on peut pas. Ok, on peut pas du tout. Non mais c'est génial ça, une méo comme genre de formation, tu vois. Tu fais ce que tu veux, voilà.
fait de la merde. J'entends la naissance d'une étoile. D'une superstar. Célébrons la victoire colossale. D'une superstar. Merci beaucoup, Nané. Merci pour ton 10e mois d'abonnement et pour le T3. Merci à toi pour ton soutien. Comment vas-tu, Nané? Comment ça va? Non, mais en fait, je viens de faire de la merde, les gars. Oh non, non, les gars, je viens de faire de la merde. Ah si, il est là. J'ai tellement pas fait de la merde. C'est vrai que je suis une superstar, exactement. Comment vas-tu, Nené? Merci beaucoup. Ah bah voilà, tu vois, t'as pu reprendre des séries et tout, donc c'est plutôt cool. Ok. Donc moi, je vais me mettre ici. Et Viens avec moi. Non. Je suis un peu occupé. Désolé, voilà. Je peux pas. Et si, je t'ai dit reste ici, tu restes là. Nené, la superstar. Ça va, merci, à part que cette partie était un peu embêtante. Attends ici. Okay. Suis-moi. Oui. Ça fait pas trop de bruit du tout, hein? Non. Non, pas du tout. Discrétion, ouais. On est d'accord. Comment on appelle l'ascenseur? Attendez, il faut que je comprenne. Déjà là, il y a une caisse. On va faire ça. Et bien sûr, il va me dire, vous n'avez pas assez de place. Non. Fermer de l'autre côté. Je peux pas la faire monter. Et si... Attends. Si... Oh, il y a un monstre là-dedans, là. Non, elle peut pas. Attendez, il faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on emmène... Le truc là-haut. Comment on fait ça? Les énigmes dans ce jeu, on les adore. On va aller voir par là. On peut l'appeler Gilbert si tu veux. De quoi? Qui tu veux appeler Gilbert? Attendez. Non, cette phase de gameplay est... vraiment pas ouf. Parce que je comprends pas où c'est qu'il faut que j'aille. Faut que j'ouvre cette porte, sauf que c'est fermé de l'intérieur, donc comment je suis censé faire? Comment on l'appelle l'ascenseur? Oh non, Néné. Je suis là! Oh non, mais je dois rentrer par une petite trou, non? Une petite. Je ne sais pas. Si quelqu'un a la solution, je veux bien. Bah non, il veut pas la faire monter sur l'échelle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Visiblement, c'est pas maintenant. Donc, je sais pas. À moins que je fasse ça. Ok, ça tient. C'est vrai, Caillou. Je sais pas pourquoi, alors. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir ce problème-là. Et super. Mais ça vous fait quoi en fait? Ça vous fait une image comme quoi vous pouvez pas regarder mon live? Bon bah voilà, on va faire comme ça. Hein. On a pas le choix. Voilà, trop forte, ouais, c'est ça, je suis trop forte. Allez, meurs. Hop, ça dégage. Ton téléphone, il est encore, mais arrête. Non, mais ça craint un peu si tu fais ça. Enfin, pourquoi ils font ça? Ouais, ça vient peut-être des cookies. Peut-être que t'as trop... Il faut que tu fasses un petit nettoyage des cookies. C'est possible en vrai. Mais du coup, tu m'entends. En fait, vous m'entendez, mais vous voyez rien du live. C'est chelou en vrai.
Des cookies ou ça? Non mais néné. Coucou Leia, comment vas-tu? Me dévoue pour manger les cookies? Non, ils sont pour moi les cookies d'abord, ok? Se calme, hein. Allez, vite, 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 vite. Là. On peut pas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Ça va, merci. Enfin que du coup, il y a certaines personnes qui peuvent pas forcément regarder le live. C'est chiant un peu pour, bah, pour eux, quoi. Ouais, tu dois rester sur l'ordi, donc c'est pas ouf. C'est ce que je dis. J'aimerais bien aller te poser, quand même, j'imagine. Ah non, il est là. Tombe pas, tombe pas. Non mais là, là surtout que c'est pas la première personne qui me dit que du coup il peut pas voir le live quoi, donc c'est un peu chiant. iPhone, ah bah après iPhone hein. Éteins et rallume le téléphone. Je sais pas, après Caillou tu me regardes depuis ton téléphone ou tu me regardes peut-être plus parce que je comprends que tu t'en ailles, c'est chiant. Mais tu regardes, si jamais t'es là, tu regardes depuis le téléphone ou l'ordinateur. C'est chiant de pas pouvoir accéder à un live. Quelqu'un peut me... Ah, il est parti là. Ok. C'est vrai, Léa, mais il y a une raison pour laquelle ça fait ça ou pas du tout? Ok, allez les gars, on y est. On y est. On a fini le puzzle chiant. J'espère que... Chiant. Bah non, mais je crois qu'en plus, Caillou, il regarde d'un navigateur parce qu'il a dit qu'il avait téléchargé Opera GX. Donc non, il télécharge d'un... Enfin, il regarde d'un navigateur. Natalia, elle est là. Let's go. OnePlus aussi, c'est pas mal. Je sais pas, moi je suis pro iPhone, tu vois. Oh merde, pas maintenant, bordel. Bah si. Non, c'est pas drôle. Faut qu'on aille par où? Ok. Là. Allez, on part sur du parcours parce que cette phase n'était pas déjà assez chiante comme ça. C'est... Waouh. Un monstre. Et toi? Ok. Allez. C'est bon. Pouh. OnePlus 7, c'est l'équivalent à iPhone. Pour moins cher, t'as juste pas la 4G++, mais c'est un détail. Non, iPhone, moi, personnellement, niveau interface, je préfère, tu vois. Coucou, Flo Nico, comment vas-tu? Non, mais c'est trop ça, néné. 8 février 2010. Nous avons dû nous occuper de nombreux corps aujourd'hui, plus que d'habitude. Ces thèses de Tifobos consomment beaucoup de sujets disponibles. Nous avons utilisé 30 corps en 3 jours seulement. Il ne reste plus qu'à continuer à les mettre dans des sacs et à les jeter dans la fosse. Horrible. Alors ça va nous servir, mais à quoi? Je sais pas encore. On va pas par là en tout cas. Let's go! Ça va, ma voix, non, ça va pas forcément mieux, mais elle va se reposer, t'inquiète pas, mais moi ça va. Ça va. Et coucou Slovena, comment vas-tu?
ça va être super dur, les gars. Vous voulez que je fasse ça? À 140 balles là. Ok. Oh putain, 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 non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non, me tue pas. Non, pas du tout, Krolax. Oh non, mais... Horrible. Chiant. C'est bon quoi. Ça je peux toujours pas récupérer. Très bien, on a lu. Ah là 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 là. Ce que je propose. C'est qu'on emmène ce truc là où il faut l'emmener. Voilà, hop, ensuite. Bordel, qu'est-ce que tu fais? Oh. Ok, ça c'est good. Ok, 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 ok. Je suis sûr qu'on peut le faire. Vivre en direct. Ok, où est la planche là? Où est le levier? Les gars, je trouve pas le levier. Jamais réussir à le tuer. Ok. Ah
le monstre arrive. En plus, il s'attaque qu'à moi, il s'attaque pas à la gamine. Bon bah voilà. T'as des munes au sol. Ouais, je dois avoir des munes maintenant. Mais en fait, j'ai pas de place dans mon inventaire. J'ai genre zéro place. Bah si, maintenant j'en ai parce que j'ai utilisé toutes mes balles, donc c'est bon. Aise, c'est bon. Non mais tout va bien. Ça, je peux récupérer. On peut récupérer ces balles-là. C'est parfait. Tac. Ok. Mais il était là tout à l'heure, ce truc, où il est apparu après? Oh là là, mais cette discrétion. Cette discrétion. Et rebonjour, fils Noah. Ça va, merci à toi. T'as passé une bonne journée, du coup? Oh, j'ai si mal au dos. Et maintenant? Pas maintenant. Il faut continuer. On finira bien par coincer cette sorcière. Ouais, on va la coincer, ouais, on a plus de munitions. Ça va, tu te sens bien en fait, c'est ça? Parce que moi, personnellement, je me sens pas très bien là. Enfin, zéro munitions, hein, c'est. Pas vraiment mon kiff. C'est vrai, il était là. Bon bah, tant pis. Oh putain! Oh non mais... Oh, le temps que je calcule, il y a un truc derrière. Barry! Ça devrait pas être comme ça. On dirait la sorcière dans Blanche-Neige. J'ai pas eu peur quand j'ai vu mes cheveux blanchir et ma chair se détacher de mes os. Coup dur pour Barry, ouais. Mais pourquoi toi, tu ne changes pas? Un échec comme toi. Je veux t'étriper avec mes propres mains. Non, mais là, il y a Barry qui va arriver. Ou Claire. Elle va ouvrir les yeux. Elle est en train de la contrôler. La gamine, elle l'a tuée? Ou elle l'a contrôlée, lui a fait peur, je sais pas. Coucou Scorpion Queen. Ambiance de l'horrifique, je dans kiffe. Révélation 2. Ouais, ça fait un peu peur, mais c'est pas le plus horrifique qu'on fait. Ma vie entière Comment n'a vas-tu été qu'un prélude à ce moment. Ma vraie naissance. Ouais. Peu importe où elle est, on la retrouvera. Tu parles de la couleur de chapitre, c'est ça. Hein. Je pense qu'elle se cache là-dedans. Il est temps d'affronter la source de nos ennuis. Ça va, merci. Tu vas mourir, mon enfant. Cours. Vous devez affronter une dernière. Ok, genre chapitre déjà terminé. L'autre, il a duré 2 heures, celui-là, il dure 1 heure, quoi. Explication, bah écoute, je pense qu'on saura au prochain chapitre, mais l'épisode final, Métamorphosis, voilà. Du coup, bah des bisous YouTube, bah, épisode final dans la prochaine VOD, quoi. Salut !